Contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait longtemps en fait que je me suis pas posée devant la caméra, j'ai l'impression, je suis désolée, j'ai été pas mal absente ces derniers temps, mais bon, maintenant que vous avez vu la dernière vidéo, vous savez que j'avais des circonstances atténuantes. Tout va bien en soi, Haribo va bien, Nomad va mieux, je dis mieux parce que si vous ne le savez pas, si vous ne me suivez pas sur Instagram, Nomad nous a fait à la fin de cette année 2018, le 31 plus exactement, une petite colique. Donc j'ai appelé le vétérinaire, il est venu à temps, il lui a fait une petite injection, tout allait bien, c'était vraiment une petite colique. Voilà, pas de gros soucis à part entière, on l'a marché quelques temps et le soir même il allait beaucoup mieux. Le lendemain matin j'ai rappelé le vétérinaire pour lui donner des nouvelles, savoir ce que je faisais, j'ai décrit son état, tout allait bien, on a pu le remettre avec les copains le soir même et bah là il se porte bien, là il est en train de manger son foin juste derrière, après je vais les nourrir, je vais les complémenter et je lui ai acheté également du mâche histoire de le requinquer, lui redonner un petit peu de la vitalité, de la forme, mais bon pour l'instant ça va, il faut juste que je le refasse grossir un petit peu parce que il a perdu pas mal d'état quand même. Bon, aujourd'hui je vous retrouve pour une FAQ, je vous ai lancé une FAQ sans thème il y a quelques temps, je suis désolée si je vais paraître essoufflée, mais en vue de mon état de santé, de grossesse, c'est vrai que je m'essouffle très rapidement. Donc j'ai relevé quelques questions que vous m'avez posées. En fait j'ai relevé tout simplement les questions qui revenaient de façon récurrente pour pouvoir y répondre. Il y en a eu beaucoup au sujet de Nomad et d'Haribo. Aucune sur moi je crois, enfin je sais plus, je vais voir. Mais ouais, vous aviez quelques questions, donc c'est l'occasion de refaire un petit peu le point sur tout ça, sur les questions que vous vous posez. Donc c'est parti. Alors la première question qui m'a été posée c'est: est-ce que tu montes encore Nomad? Eh bien en ce moment non, et en fait il n'a pas été monté du mois de novembre ni du mois de décembre. Alors moi je suis tombée enceinte en septembre, donc j'ai monté en septembre, j'ai monté également en octobre, alors que ce soit Nomad mais également au club, hein. Vous saviez que j'avais repris une licence club et que je montais notamment un petit cheval qui s'appelait Tanael, avec qui je devais faire des concours et tout, mais ça n'a pas pu se faire, mais bon c'est pour la bonne cause. Mais non, effectivement mon deuxième et mon troisième mois de grossesse, oui parce que vous ne le savez pas, enfin j'ai répondu à quelques-uns, mais là je suis actuellement dans mon quatrième mois de grossesse et j'ai préféré ne pas monter, prendre des précautions tout simplement parce que déjà mon corps me disait clairement que ça n'allait pas, j'avais très rapidement des nausées quand j'étais à cheval et parce que j'avais pas envie de prendre de risques avant le troisième mois passé, parce que c'est là où vous avez le plus de chances de faire des fausses couches, donc voilà, j'ai préféré jouer la sécurité. Ça ne m'a pas empêché de venir voir mes chevaux, de m'en occuper, bien que c'était très fatigant pour moi parce que j'étais encore une fois très essoufflée et que même un petit pansage qui normalement peut vous paraître une situation tout à fait banale, et bah quand vous êtes enceinte en fait, enfin moi en tout cas ça a été mon cas, ça me semblait être une épreuve tellement c'était essoufflant. Voilà, c'était fatigant juste le fait de penser, mais je suis venue les voir régulièrement, je leur ai fait leur pansage, je suis pas montée, mais voilà, ça m'a pas empêché de continuer de m'occuper de mes loulous. Ensuite, deuxième question, as-tu des nouvelles de Ultra? Oui, j'en ai eu récemment par le biais de Estelle, sa nouvelle propriétaire, donc elle va très bien, elle est travaillée deux fois par semaine par une copine à elle ou une voisine, enfin je sais plus, quelqu'un, enfin bref, et elle se porte bien parce que j'ai eu des photos, elle est pas mal en chair, pas mal en forme, donc c'est que la cantine est bonne. Voilà, rien à signaler de mauvais dans sa santé et dans son état actuel. Donc oui, j'ai eu des nouvelles d'elle, elle va bien. Troisième question, est-ce qu'il y aura des vidéos de concours à l'avenir sur ta chaîne? Alors, je vous l'avais déjà dit, moi j'avais repris ma licence club cette année dans le but de pouvoir sortir en compétition avec des chevaux de club et non plus forcément avec mon nono. Donc c'était prévu, je devais sortir en dressage cette année avec Tanael.
Mais un petit bout de chou s'est installé dans mon bidou et du coup, bah tant pis, ce sera reporté l'année prochaine puisqu'en fait, toute cette saison, je ne vais pas pouvoir sortir en concours puisqu'en fait, je suis tombée enceinte en septembre pile poil et j'accoucherai normalement courant cet été. Donc, bah c'est mort, ma saison est morte. Mais je compte bien, oui, sortir en compétition l'année prochaine si je peux, si j'ai le temps, parce qu'on me dit tout le temps qu'on prévoit des choses, mais c'est vrai que je ne sais pas encore comment se passera ma vie plus tard lorsque je deviendrai maman, mais je compte bien essayer. C'est pas parce que je vais avoir un bébé que je vais mettre ma passion de côté et je pense oui qu'il y aura prochainement des vidéos de concours, mais faudra être patient. À part si j'arrive à mettre Jean sur un cheval de concours, mais ça c'est pas gagné parce que il a pas trop envie de reprendre sa licence. Là j'ai l'impression que depuis que je ne monte plus, il a pas trop envie. Mais il va falloir qu'il monte parce que je compte bien remettre un petit peu Nono au travail. Si je peux pas le faire, il va bien falloir que Jean s'y colle. Ensuite, feras-tu une vidéo 10 faits sur Haribo? Ça oui, vous l'aurez, il y en a une qui est sortie sur Nomad et je compte bien en faire une sur Haribo. C'est juste que pour l'instant je l'ai pas encore fait, tout simplement parce qu'Haribo ça fait pas longtemps qu'il a, je crois que ça fait 3 mois à peu près, un truc comme ça, et que je peux pas, je me sens pas légitime de faire une vidéo sur lui tout de suite parce que je ne le connais pas encore assez, j'ai pas encore appris à le découvrir, j'ai pas encore non plus commencé des travaux d'éducation, de pré-débourrage avec lui, donc il me faut encore du temps pour apprendre à connaître sa personnalité, son caractère et trouver des petites anecdotes sympas à vous sortir dans une vidéo 10 faits sur Haribo, mais il y en aura une sur la chaîne, ça c'est promis. Toujours une question sur Haribo, vous m'avez demandé comment est-ce que j'envisageais son débourrage, est-ce que c'est moi qui vais le faire, est-ce que c'est quelqu'un d'autre, etc. Alors, moi j'ai déjà débourré un Shetland quand j'étais petite et ma première ponette donc ultra que j'avais débourré à pied et à cheval. Donc pour Haribo, moi je pense que je vais m'occuper de tout ce qui va être travail à pied, éducation, donner les pieds, accepter toutes les brosses de pansage, connaître la douche, travail en main, balade en main, en licole, répondre aux pressions des licoles, etc. Lui mettre une selle sur le dos, lui mettre un filet, patati patata. Après, je ne pense pas, mais ça c'est pareil, je peux pas vraiment m'avancer parce qu'il est encore en croissance, je sais pas jusqu'où il va grandir, je sais pas comment il va s'élargir, je sais pas s'il sera porteur, s'il sera crevette, je sais pas s'il pourra me supporter sur son dos, mais dans l'idéal, moi j'aimerais plutôt lui trouver petit cavalier poids plume, mais avec un bon niveau pour pouvoir le débourrer. J'ai déjà une petite idée en tête, donc c'est pas forcément Cheyenne qui va le débourrer, même si j'espère pour elle, parce qu'elle le veut vraiment, et parce que ça lui ferait plaisir, et parce que moi aussi ça me ferait plaisir de lui faire plaisir, beaucoup de plaisir. J'espère qu'elle pourra monter dessus plus tard, mais je ne pense pas que Cheyenne aura le niveau pour débourrer Haribo. Après j'en sais rien, parce qu'il a vraiment un tempérament super mignon, à pied du moins, donc à voir à cheval ce que ça pourrait donner, mais j'ai déjà une petite cavalière qui est dans mon centre équestre tout simplement, à qui j'en ai déjà parlé à sa maman, qui est plutôt ok, et elle je la vois clairement en fait débourrer le poney parce qu'elle doit avoir un niveau galop 5, elle est toute petite, elle est toute légère, donc pourquoi pas. Après on n'en est pas encore là, la Ribon sera débourrée que dans 3 ou 4 ans, donc j'ai encore le temps d'y réfléchir, mais voilà à peu près comment je visualise le débourrage d'Haribo. J'ai une autre question, c'est comptes-tu écrire un deuxième livre? Alors ça a toujours été effectivement un de... Alors non, ça n'a pas toujours été un de mes projets, parce que déjà en écrire un, ça demandait beaucoup de boulot et je ne pensais clairement pas qu'un jour je pourrais sortir mon livre qui était sur mon ordinateur depuis 3 ans en fait, et c'est juste que j'ai eu la chance de rencontrer Joël qui est l'éditeur de nombreux romans de la saga Au-delà de la passion, qui m'a proposé d'éditer mon livre tout simplement. Je ne pensais pas que ça pourrait se faire un jour. J'ai eu une autre proposition par une autre maison d'édition, mais rien n'est encore écrit et pourquoi pas, mais après j'ai pas vraiment d'idée en fait de type de livre, parce que j'ai pas forcément envie de faire une suite à Rêve Compulsif, j'ai pas forcément, enfin je me vois pas écrire un roman non plus parce que je suis pas non plus auteur, enfin mais pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup d'imagination. J'avais l'idée aussi de faire une BD, quelque chose comme ça, mais bon pour l'instant tout est un petit peu fouillis. Je vous avouerai que je me suis pas du tout penchée dessus, je dirais pas que je n'ai pas le temps, mais je n'ai pas l'inspiration et je n'ai pas la motivation actuellement de me poser devant mon ordinateur et commencer à écrire, mais je pense que pourquoi pas effectivement un deuxième livre, surtout qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui me l'ont réclamé et que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à faire et à réaliser, donc
Pourquoi pas, je ne vous le promets pas, mais ça me plairait beaucoup. Quelle discipline fera Haribo quand il sera débourré, donc plus tard? Eh bien, moi j'ai envie que mon petit Haribo puisse toucher à toutes les disciplines, tout simplement parce que moralement, je pense que c'est important pour un cheval de ne pas faire tout le temps la même chose. Bon, après, c'est mon avis personnel, mais la routine, je pense que ça peut blaser un petit peu. Moi, personnellement, si je me mettais à la place d'un cheval et qu'on me demandait de faire tout le temps la même chose, je pense qu'au bout d'un moment, j'en aurais un petit peu à la casquette. Donc, je pense que toucher à tout, c'est important, que ce soit du dressage, que ce soit du cross, que ce soit de l'obstacle, que ce soit de la balade, que ce soit du trek, que ce soit, pourquoi pas, de l'équifil, essayer de faire du pony games, enfin, des trucs vraiment variés, pluridisciplinaires, et je pense que ça peut faire plaisir non seulement aux cavaliers qui le montra et à Haribo, donc j'espère, voilà, on verra bien hein, comment lui se comportera, ce qu'il aimera un petit peu moins, les facilités qu'il aura ou pas, mais j'aimerais bien que mon petit poney puisse toucher un petit peu à tout, mais encore une fois, on n'y est pas encore, donc on a bien le temps d'y réfléchir. Vous m'avez aussi demandé de vous rappeler ou de vous dire, parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas, l'âge de Nomade et d'Haribo. Donc Nomade, il prendra 18 ans en avril et Haribo, il aura 2 ans en juillet prochain. Donc là, pour l'instant, il a que 1 an et demi, petit bout de chou, petit bonhomme. Et les dernières questions qu'on m'a posées, c'est: seras-tu à Cheval Passion, donc à Avignon, et au Salon du Cheval de Bordeaux? Alors, je devais aller aux deux, et finalement, j'ai décliné en fait l'invitation du Salon du Cheval d'Avignon. Tout simplement parce que, en fait, dans mon état, je ne peux pas me permettre... Je n'ai pas envie non plus de faire 8 heures de trajet. Voilà, quand on est enceinte, il faut savoir que les trajets en voiture un petit peu trop longs sont déconseillés, ont des conséquences. Voilà, je ne veux pas forcément rentrer dans les détails. Mais c'est vrai que moi, je suis à 8 heures de route et j'ai pas envie de faire 8 heures aller, 8 heures retour. J'ai pas envie de prendre ce risque. Je suis assez fatiguée aussi en ce moment et je me sens pas en fait de faire tout ce trajet, plus le salon, plus des meet-up, tout ça. J'en suis vraiment désolée. Je sais que je vais décevoir beaucoup de personnes par ce biais-là. Mais voilà, je préfère me préserver aussi la santé de mon bébé. Voilà, ce n'est que partie remise. J'espère que vous comprendrez, que vous ne m'en voudrez pas. Et pour ce qui est du Salon du Cheval de Bordeaux, là nous avons 4 heures de route à peu près, donc c'est aussi beaucoup, mais c'est quand même un petit peu plus envisageable. Je pense qu'on reviendra, mais encore une fois, je ne peux pas être sûre parce qu'il me semble que le Salon du Cheval de Bordeaux, c'est en février, donc je serai à 5 bientôt 6 mois de grossesse. Je ne sais pas dans quel état je serai à ce niveau-là. Je ne sais pas si mon gynécologue me demandera de rester allongée. Je ne sais pas s'il me dira que c'est ok, que tout va bien. Donc je préfère ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je suis désolée, il y a une baisse de luminosité parce que je filme dehors. Voilà. Mais je pense qu'on va essayer de venir. Et encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas vous promettre parce que je ne peux pas lire dans l'avenir. Voilà tout le monde, cette petite FAQ est terminée. J'espère que les réponses que je vous aurai apportées vous auront convenu, auront répondu à certaines interrogations que vous pouviez vous poser. Quant à moi, je vous fais tout plein de gros bisous. On essaie de se retrouver mercredi prochain. Je dis bien essayer parce que c'est vrai qu'actuellement j'ai un petit peu du mal à me poser devant la caméra, à filmer. J'en suis désolée, mais je ne contrôle plus vraiment ce qui se passe dans mon corps. Il y a des fois, je tombe de fatigue, je suis exténuée, j'ai la flemme de tout, j'en suis désolée. Mais je vais essayer vraiment là de redémarrer parce que bon, je suis dans mon deuxième trimestre, les nausées c'est terminé. Donc il faut que je reprenne un petit peu d'énergie et que je me remotive. Mais bon, je vous fais tout plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! Can't you see?